Nous pouvons parler, mais ils ne savent que chanter, et ceux des salles de danse tout comme les autres. Pour qu'ils puissent vivre, il leur faut de la musique, aux élèves des chaussons et surtout un maître. Ce maître, c'est désormais à Genève Boris Kniazev, directeur de l'Académie internationale de danse, si justement nommé le maître des étoiles par le grand critique Pierre Michaud. Le voici en plein entretien. Ah, mais c'est moi, pardon. Il faut que je me sauve pour aller présenter ce film. Prenez place, maître, je vous en prie, pour le défilé et ce documentaire réalisé avec le concours de Evelyne Carrel, Sylvie Ruetz, Diane Mansart, Asa Jaton, Niouche Perlet, Simone Comte, Isabelle Kaufmann, Vassili Soulitch, France Loubet, Nelly Rock qui a jeté sur le papier les croquis que vous allez voir, et Roger Bimpage, l'opérateur qui a tourné ces images mouvantes. Mais Roger Bimpage se prépare et il s'en va, car pour tout vous avouer, mon histoire ne commence pas vraiment ici. Elle débute sur le quai du Mont-Blanc, où une jeune artiste chemine. Et tout irait bien sans un vilain diable de chien qui vient tout gâcher. Tant pis, au dessin, vous avez deviné qu'il s'agira de danse, mais entre nous, vous vous en méfiez bien un peu. Dessinatrice arrive rue de Montoux, avec un groupe d'élèves désireux de profiter d'un des meilleurs enseignements du moment, celui où la grande tradition classique s'allie au plus pur amour de la danse. On travaille. C'est un peu le pourquoi et le comment de ces exercices que l'on voudrait vous faire connaître. Un peuple de poésie. Il y a les positions. Elles sont au nombre de 5. Les voici. La première. La deuxième. La troisième. Ensemble. Ensemble. La quatrième. Et la cinquième. Vous n'avez pas très bien saisi. Ça ne fait rien. On va recommencer. Individuellement, première. Deuxième. Troisième. Quatrième. Et cinquième. Pour beaucoup de professeurs, le travail à la barre est primordial dans la préparation de leurs élèves. Boris Kniazev, lui, a trouvé mieux, et l'on a pu parler d'une véritable révolution à propos de ces exercices à terre, qui permettent d'obtenir une souplesse tout aussi grande qu'à la barre, en conservant à l'élève sa ligne
cette silhouette élégante et droite, la grâce des attitudes dont chacune d'entre elles rêve. Mais même s'il faut partir de bien bas, si l'on peut dire, à quoi ne peut-on pas arriver avec du talent et un maître chez qui les plus grandes étoiles sont venues travailler? En voici un exemple, avec cet exercice d'assouplissement du dos. Et tous ces exercices pourraient être en dehors. Mais là, il faudra bien ouvrir une parenthèse, ouvrir un dictionnaire de danse plus exactement. On nomme en dehors un mouvement qui est exécuté d'avant en arrière, et en dedans, le mouvement exécuté d'arrière en avant. Il y a pourtant plus subtil encore, et sans vouloir vous assommer de technique, on voudrait tout de même vous dire qu'une danseuse doit être en dehors. Dans ce cas, cela signifie qu'elle doit avoir les genoux parallèles aux épaules, sur le même plan, serrés l'un contre l'autre, mais tournés en dehors, justement. Quand elle est en dedans, comme nous tous, et en tout cas comme moi, la position de ses genoux, insuffisamment ouverts ou effacés, elle n'a qu'une seule chose à faire, s'exercer. C'est ainsi que vous avez vu des assouplissements qui, pour la plupart, visaient à placer l'élève, à fortifier son dos ou ses chevilles, ou encore à forcer le coup de pied, comme maintenant par exemple. Mais tout cela est bien fatigant. Une petite récréation serait la bienvenue. Sérieux, mesdemoiselles. Merci, mais vous riez? Est-ce comme Marguerite de vous voir si belle en ce miroir? Vous riez? Eh bien, dansez maintenant. Evelyne, qu'est-ce que c'est les bras? La souplesse ne fait pas tout, il faut encore l'équilibre. Les pliés que nous voyons dans les cinq positions permettent d'y parvenir. En première, en deuxième, en troisième, en quatrième, cinquième. Vous voilà bien au clair. Mais passons maintenant à quelques battements tendus. En cinquième tout d'abord. Puis, à des battements tendus toujours, mais en croix. Tout cela est fort explicite. Plus facile pourtant à regarder qu'à faire, puisque on ne vous le montre pas. Mais Boris Kniazev est là et qui commande maintenant le premier exercice en croix dehors dedans. Alors attention. 1, 2, 3, plus haut. 1, 2, 3. Fermez bien cinquième. Tranquille l'ange. La taille plus forte. Les épaules tranquilles, tranquilles, croisez l'arabesque. Tous ces exercices, celui-ci qui est le troisième encore,
ont pour but de forcer l'élève à être en dehors. Bien clair, bien clair. Attitude, attitude. Les rondes jambes, en première et en dehors, voilà bien qu'il n'existe pas configuré. Celui-ci est donc en première et en dehors. D'avant en arrière, vous l'avez déjà compris. Plus en dehors, pied droit. L'autre est en cinquième, dedans dehors. Cinquième bien fermé, cinquième. Gauche plus haut, en dehors. Tendez les genoux, montez en haut, en haut. Et première, toujours dedans dehors. Plus en dehors, le pied gauche. Genoux serrés. Encore plus en dehors. Exercice fait travailler les rondes jambes. L'hanche, ne bouge pas l'hanche. Les épaules tranquilles, les bras plus libres. Encore d'autres rondes jambes, en l'air toujours. Plus accentué, accentué la seconde. Genoux plus fort. Les tailles ne bougent pas. Encore plus clair. On peut bien sûr varier les plaisirs et travailler sur deux rythmes. Et plus en dehors, plus en dehors, plus en dehors. La grâce d'une danseuse s'exprime aussi par la noblesse du port des bras. Cela également doit s'apprendre. En avant, puis en arrière. Les épaules. La danseuse sur une scène doit être belle de partout, et pas seulement vue de face. Le plus humble des machinistes, le moindre des électriciens, de la coulisse, aura une vision aussi harmonieuse que le spectateur des fauteuils d'orchestre. C'est pourquoi on travaille également le port de bras de côté. C'est le difficile privilège d'un art à trois dimensions. Tac, ça va. Ça va, plus d'expression. Encore plus. Hein? La tête. C'est le fameux coup d'œil du machiniste dont on vous parlait tout à l'heure. Fermez. Fermez bien les bras. Ça, c'est le coup d'œil du spectateur dont on vous parlait aussi tout à l'heure. Fermé. Alors, mes enfants, vite. Allons, mademoiselle, vous dites pas côté le même. Mais tout simplement, pour vous donner une explication. Pour le relever sur point. Et pour l'attitude, une des poses les plus connues de la danse. Et puis aussi, pour vous faire travailler l'expression et le port de tête. La plus expressive, c'est bon. Que
tirait trop du coup. Et notre croqueuse, non pas de diamants mais de figures, que fait-elle? Elle s'intéresse pour l'or au port de bras. Ça va, hein? Pliez un peu plus. L'arabesque, qui fit une part de l'admirable renommée de Maria Taglioni et d'Anna Pavlova, l'arabesque inscrite dans les fresques grecques ou vaticanes, la voici. Autant vous la montrer maintenant dans un petit adage que de vous donner 10 minutes d'explication sur elle. Quant à l'adage, c'est un groupe d'exercices effectué avec lenteur. Bien la baisse de dos, bien, bien les épaules, soigne bien. Demi-tour. À la baisse des faces. Bien. Fermé. La pirouette est bien la pirouette, que diable, elle dit bien ce qu'elle veut dire. Et ce que l'on appelle exercice au milieu également. Ensemble. Était parfait du premier coup, le maître est fâché. Autant censurer sa colère. Coupez le son! Et la leçon continue, avec une petite variation, c'est-à-dire un enchaînement de pas différents, composé selon la musique, qui vous permet de revoir l'attitude et l'arabesque. Des bras, hein? Ça va, c'est pas mal. Plus long. Ça va. Quant à l'attitude, la voilà. Mais c'est bien un peu statique. Alors, mademoiselle, je vous prie. Passez. Écartez la seconde. Bien. Demi-tour, arabesque bien fixé, attitude, passez, écartez, fermez bien, ça va. Le dégagé est le déplacement d'une jambe qui s'écarte du pied en glissant sur le sol. On va vous le placer dans un petit adage. Cet autre petit exercice nous montre des grands battements. Des pliés. Et des battements tendus. Plus fort dans les jambes. L'arabesque peut être à terre, comme tout à l'heure, ou sauter. Et bien sûr, sauter avec cette légèreté. Passons à un petit adage, avec des pirouettes. Plus clair. Plus stable, plus stable. Et nous arrivons
à un autre petit adage avec port de bras cette fois, ne serait-ce que pour vous prouver la progression des exercices de plus en plus compliqués. Et bien entendu, on travaille aussi l'expression du même coup. Petit saut avec pirouette. Plus le danseur saute haut et légèrement, plus, selon l'expression technique, il a ballon. L'image est à la fois plaisante et juste. Souplesse, légèreté et ressort sont réunis ici. Quel que soit le sexe d'ailleurs. Dans le déboulé, le corps tourne sur lui-même, entraîné par la tête et les bras sur un trajet déterminé. Dans la petite batterie, on heurte ou on croise les deux bas de jambes avant de retomber à terre. C'est ce qui la distingue des simples petits sauts que voici. Trajet déterminé, disait-on pour le déboulé tout à l'heure. Ici, ce trajet, c'est la diagonale. Mais si les élèves disparaissent, ce n'est que pour un instant, car une petite batterie nous est encore offerte, au vol en quelque sorte. Plus libre, plus libre. Cette combinaison de briser-voler avec double tour en l'air, elle aussi démontre le ballon. Le relevé sur pointe s'effectue en redressant le corps et en tendant les genoux. Comment ? Ça va trop vite ? Eh bien, qu'à cela ne tienne, on recommence. Bras, bras plus souples. Plus haut un peu le dos. Plus clair. Et puisque nous sommes sur les pointes, restons-y. Ceci d'ailleurs n'est qu'une astuce du commentaire. Alors mademoiselle, restez-y, voulez-vous, pour cette petite variation qui se conclut par des pirouettes. Ça va. Arabesque par quart, cela me semble si évident que je ne puis comme taire. Tac. Les épaules, ne montent pas, reste tranquille les bras, s'il vous plaît. Dans le manège, et celui-ci est en diagonale, on pivote sur soi-même, soit sur les pointes, soit sur les demi-pointes, ou encore en sautant. Les bras plus clairs, faire bien. L'entrechassis est une des belles figures de danse. S'il y avait un public, parce qu'automatiquement, il applaudirait. Il applaudirait avant la fin même, car c'est beau. C'est beau, sans doute, mais c'est tuant aussi. Allons, bonnes âmes, donnez-vous du vent. Tout vous est à kilo, tout lui semble zéphyr. Allons, redoublez d'efforts, courage. Mais ce sont les dessins qu'il faut corriger maintenant. Ce bras, pourquoi n'est-il pas sur la même ligne ? Le mouvement est rapide, certes, mais il faut l'arrêter au bon moment. C'est tout le secret de l'art. Cela non plus n'est pas simple. Mais, contrairement au proverbe, quand le maître n'est pas là, les rats ne dansent pas non plus. La curiosité prime tout, avec, bien sûr, le travail et le plaisir de ce travail quand il est bien fait. Il en ira ainsi à l'Académie internationale de danse de Boris Kniazev, tant qu'il y aura des petites danseuses pour rêver aux étoiles, soupirer et partir prendre leurs leçons.